où la misère s'attrape au vol. Ma génération suffoque, elle peine aux quatre coins de la surface du globe. Et moi, assis sur le bord de la route, pauvre terrien qui se demande s'il est acteur ou spectateur entre tous, quand tout est si grand, tout est si loin, irréel et pourtant, je finis par penser que nous ne sommes guère plus que des papillons éphémères et pressés, agités, désordonnés. Non, nous ne sommes guère plus que ces papillons virevoltants qui se ressemblent mais finalement sont si différents, dépassés quotidiennement par l'avalanche de sentiments que déclenche le monde qui m'entoure. Mais comment savoir qui je suis vraiment, où me situer, quelle que soit la donne, que puis-je changer, oui ou non, ai-je un rôle à jouer. Je finis par penser que nous ne sommes guère plus que des papillons éphémères et pressés, agités, désordonnés. Non, nous ne sommes guère plus que ces papillons virevoltants qui se ressemblent mais finalement sont si différents. Que nous sommes bien peu de choses, il en est ainsi, nous sommes si peu de choses. Et tant que la vie dure, autant qu'elle se défoule, tant que les soleils et les lunes déroulent, on espère chacun notre tour influencer le cours du temps qui s'écoule. Et nous ne sommes guère plus que des papillons éphémères et pressés, agités, désordonnés. Non, nous ne sommes guère plus que ces papillons virevoltants qui se ressemblent mais finalement